Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Chignon Scribble. En dessous de cette vidéo, si vous êtes abonné, cliquez là sur abonner pour si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche d'abord, manquez tout simplement nos prochaines vidéos. Waouh! C'est excellent. C'est excellent. Mes frères et sœurs, ce dont nous allons vous parler ici, là, ça va vous réveiller les yeux. Ça va tous nous aider. Pour nous aider à comprendre combien de fois il est important de faire attention dans la vie et d'écouter Dieu seul. Dieu seul, laisse Dieu te guider. Ça veut dire, premièrement, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, dis Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie et prends le contrôle de ma vie, guide-moi. Amen. C'est tout. Dieu lui-même va venir vers toi au fur et à mesure. Et toi, rapproche de toi, de Dieu plutôt, en regardant les vidéos de Jean Scribon, en lisant la parole de Dieu, toutes ces histoires. Soyez prêts. Soyez prêts! Là, maintenant, vous êtes maintenant prêts. Mes frères et sœurs, est-ce que aider quelqu'un là, c'est mauvais? Jésus-Christ lui-même dit de donner quand tu as le pouvoir de le faire. Aider, est-ce que aider quelqu'un là, c'est mauvais? Est-ce que aimer quelqu'un là, c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Ça m'étonnerait. Mais sur la terre où nous nous trouvons là, il y a des gens vraiment qui ne sont pas de bonnes personnes. Il y a des gens qui ne sont vraiment pas de bonnes personnes. Pendant que vous êtes en train de lutter pour leur faire du bien, et ils sont en train de plutôt lutter pour vous faire du mal. Ah! Ah! Toi, tu luttes. Tu te dis que la personne a des problèmes. Et tu veux faire sortir cette personne du trou. Et tu fais tout ce qui est possible pour que cette personne puisse sortir du trou. Et cette personne-là complote sur ton dos pour chercher à t'enfoncer. Ces gens de personnes-là, ils existent. Qui sont ces gens de personnes? Ce sont des sorciers, ce sont des satanistes. Si un sataniste se trouve dans votre famille ou encore dans votre maison, il aura tendance à vous combattre. Mais si vous lui faites du bien, vous lui donnez tous les trésors de la terre, il ne vous aimera jamais. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un autre esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aider. Vous pouvez l'aider. Vous pouvez faire du bien. Même faire du bien à vos ennemis, ce n'est pas mauvais. Mais attention, quand Dieu te dit attention, faites attention. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais vous expliquer ici. Vous savez que sur la terre là, on ne peut pas exister sans les autres. Et quand on dit il y a les autres autour de soi là, ça ne veut pas dire qu'on a toujours de bonnes personnes autour de soi. Ça ne veut pas toujours dire ça. Cela, on est d'accord. Et les gens qui sont autour de nous là, comme on vous a dit là, ils sont pas tous, ils n'ont pas tous le bon esprit, ils n'ont pas tous, ils ne vous aiment pas tous. À partir du moment où il y a l'existence de ces choses, faites attention. Faites très attention avec qui vous marchez. Parce qu'il y a des gens là qui sont des mauvaises personnes, avec qui il ne faut même pas s'asseoir. Qui sont ces gens-là? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne vous asseyez pas en compagnie d'un moqueur. Ah! Ne vous asseyez pas en compagnie d'un moqueur. Pourquoi on dit de ne pas s'asseoir même? C'est parce qu'il y a un problème. Pourquoi la parole de Dieu encore nous dit? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que quand vous vous approchez de ces gens de personnes, eux, ils vous transforment. Si un policier arrive tout de suite et il trouve des gens qui sont assis avec quelqu'un qui fume de la drogue, que va-t-il se passer? Ils vont attraper tous ceux qui sont là. Il ne faut pas dire que non, vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas faire ça. Ils vont vous attraper tous, vont vous prendre tous. Même si c'est pour vous frapper, ils vont tous vous frapper là maintenant, afin de vous demander après, qu'est-ce qui ne va pas. Ici, voici un homme qui va t'aider par amour. Les membres de sa famille. Mais un jour, quand il va décider de construire dans son village, de construire chez lui, de se construire une maison enfin là où il est né, celui-même qui l'aime le plus là, la personne même qui l'aide le plus là,
cette personne-là qui va s'élever pour dire dans le monde des ténèbres, papa. Non. Je ne veux pas que cette femme l'a construit. Je ne veux pas que cet homme l'a construit. Ce milliardaire-là, il est devenu milliardaire. Il veut dire que lui, il est devenu milliardaire. Là. Il nous dépasse, il nous construit ici. Jamais. Il ne va pas construire chez nous. Qui parle? C'est la personne que vous aimez là. La personne que cette milliardaire là aime le plus là. C'est cette personne là même dans le monde des ténèbres là, qui est descendue là-bas avec ce dossier. En train de dire là-bas qu'elle ne veut pas que cette personne la construise. Dans le pays, dans son propre pays, dans son propre village. Toi-même, ton propre argent là. On dit faut pas tu vas l'utiliser pour t'épanouir. Et ce sont les gens qui sont autour de vous, que vous aimez là. Ce sont eux qui font ça. On ne dit pas tous, hein. On parle de ceux qui ont reçu l'esprit de Satan, qui sont des sorciers qui sont autour de vous. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui est sorcier, même si c'est votre père, même si c'est votre mère, même si c'est votre frère, il sera un ennemi pour vous. Parce que dans le monde des ténèbres, il a déjà reçu un autre esprit là-bas. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Mes frères et sœurs, danger. Mes frères et sœurs, danger. Et cette personne-là, tu vas voir que physiquement, tu vas lui donner de l'argent, tu peux même lui offrir de belles voitures comme ça. Cette personne va te voir physiquement te dire, hey, merci, oh, tu es jolie. Mais derrière vous, vous allez voir ce qui va se passer. Et voici encore une autre personne qui est descendue un jour de son village, qui a donné de l'argent seulement à ses parents là-bas, à son oncle. Il a vu son nom qui marchait en tapette, c'est-à-dire qui marchait en vêtements même trouillés, en haillons. Il lui a dit, ah, franchement mon nom, ça va. Il lui a pas dit que ton vêtement est comme ça. Il lui a dit, ah, quand il a vu son nom, il a eu pitié. Il dit, ah, franchement mon nom, moi je suis véhiculé. Mais lui, il marche et puis il regarde, moi je vais l'aider. Alors il a appelé son oncle, il lui a donné une somme d'argent. Du genre 10 000 dollars comme ça. Il dit, prends ça, va te faire plaisir. Son oncle, vous savez ce qu'il a fait? Il est descendu dans le monde des ténèbres là-bas avec l'argent de cet homme-là. Il est descendu dans le monde des sorciers avec l'argent de cet homme-là. Et il a dit aux gens là-bas que lui pense que quoi? Il pense qu'il est mieux que moi. Il pense qu'il est mieux que moi. Et puis il va me donner l'argent à moi. Il va voir aujourd'hui. Il a pris l'argent, les 10 000 dollars de son oncle. Il pourrait bien prendre pour consommer bien sa bien. Vous voyez comment le sorcier il a donné un mauvais esprit. Il a pris l'argent là. Et il a mis dans un canari. Et il a prononcé des mauvaises paroles sur cet argent là. Dans le canari. Pour dire que son oncle, que son neveu là. Il va plus gagner l'argent encore. L'argent que tu m'as donné comme ça là. Tu vas plus gagner ça encore. Tu vas marcher en tapette comme moi ici. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et Dieu merci, cet homme-là, il est tombé, qui a aidé son oncle et qui est tombé dans la misère après avoir aidé son oncle. Cet homme riche qui est tombé dans la pauvreté après avoir aidé quelqu'un. Il a eu pitié seulement là. Regardez ce que cela fait. La pitié là, souvent là, c'est un problème. Hein? Quand tu as trop pitié là, le diable même utilise ça même comme toi souvent. Faites attention souvent. Hein? Si Dieu vous dit de ne pas faire là, attention. Attention, demandez à Dieu d'abord avant d'agir. Demandez à Dieu avant d'agir, sinon vous allez rencontrer de tels problèmes. Et voici que ce jeune homme va traverser plusieurs temps difficiles après avoir aidé son oncle. Même ses business ne vont plus marcher. Il va se retrouver comme ça, sans rien, avec des problèmes. Il doit des gens. Et un jour, sa femme va lui dire, allons à l'église. Allons voir les hommes de Dieu pour voir ce qui ne va pas, parce que ce n'est pas normal. Depuis ton retour du village là, tu as changé comme ça. Mais qu'est-ce qu'il passé là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Allons à l'église, on va demander à l'homme de Dieu. Et vous voyez, sa femme là, c'est une bonne femme. Une bonne femme là, on la reconnaît par là. Une femme qui va te dire, allons chez Dieu pour chercher la solution là. C'est elle là même la bonne. Une femme qui va te dire, vous te montrez le bon chemin là. C'est celle-là même qu'il faut prendre. Mais une femme qui va te dire, allons dans la boîte de nuit, allons voir les féticheurs. Il y a danger. Et cet homme-là va quand même écouter sa femme.
et va se rendre sur un homme de Dieu. Dieu merci sur ta mission pour un homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, souvenez-vous bien, il y a beaucoup de faux hommes de Dieu aujourd'hui. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a des faux. Il y a des faux. Il y a même des sorciers qui sont des hommes de Dieu. Attention, ils peuvent même faire des miracles. Même voir votre problème. Même voir votre vie. Découvrez ce que vous faites. Mais ce sont des sorciers. Faites attention. Quelle soit arrivée, c'est ce vrai homme de Dieu là. Cet homme, vrai homme de Dieu qui est un prophète là, il s'est mis à prier. Ah! Il n'a pas dit, je suis un fort homme de Dieu, je suis un grand homme de Dieu, donc je ne vais pas prier. Il s'est mis tout simplement à prier. Et pendant qu'il était en train de prier là, il a demandé la nouvelle à cette famille. Et quand cette famille lui a donné la nouvelle, voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que franchement, ça ne va plus chez... La femme a dit, ah, ça ne va plus chez mon mari. On ne sait pas ce qui ne va pas, c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus te voir, pour te demander clairement, est-ce que tu peux prier Dieu, que Dieu nous vienne en aide, ou qu'on nous révèle ce qui s'est passé dans notre vie. Mais pourquoi? Ça veut dire que dans votre vie, si vous voyez que tout va bien, et à un moment, les choses commencent à être compliquées, là, ça devient bizarre, là. Posez-vous des questions, hein? Posez-vous des vraies questions, hein? Mes frères et sœurs. Il y a des sorciers qui sont là, qui font ça souvent. Ils sont dans la famille, ils ne sont pas loin. Ils ne sont jamais loin. Hein? Ton ennemi, là, il n'est jamais loin. Il faut que je te dise ça. Celui qui veut ton malheur, là, il n'est pas loin. C'est généralement ce mec que tu aimes. Attention, je ne dis pas de détester les gens. Demande à Dieu, Dieu lui-même va te montrer qui sont tes ennemis, tes vrais ennemis. Parce que si tu ne sais pas qui sont tes ennemis, c'est dangereux pour toi. Et voici que cet homme de Dieu va lui dire, va lui révéler ce qui s'est passé. Cet homme de Dieu lui a posé une question. Il lui a dit, quand que je priais là, Dieu m'a montré que tu as donné de l'argent à quelqu'un, une forte somme d'argent. Est-ce que tu t'en souviens? Ah! Ah! Maintenant, il faut le voir lui en train de réfléchir maintenant à qui il a donné de l'argent. Et c'est là son esprit. Tu vois ce que Dieu fait? Dieu est bon, hein? Dieu va porter son esprit sur quoi? Son nom. Dès qu'il a dit, oui. J'avais fait un tour dans mon village et j'ai trouvé mon oncle à qui j'ai remis 10 000 dollars. L'homme de Dieu a fait comme ça. Yes. Ton oncle à qui tu as donné cet argent-là, est-ce que tu connais son état d'âme? Est-ce que tu sais qui il est? Ça dit son état d'âme. Non, je sais pas. Tout homme à qui tu as donné cet argent là, Dieu m'a montré que c'est lui qui a la base de ton problème. Quand tu lui as donné cet argent là, lui, il allait poser cet argent là dans un canari, le plus que tu puisses avoir une somme qui dépasse cet argent là. Voici ce qu'il a fait. Tu as eu pitié de lui parce que tu l'aimais, mais voici ce qu'il t'a donné en retour. Il a vu dans ton cœur que tu as eu pitié de lui et lui, ça l'a énervé. Et il t'a lancé ce sort-là pour ne plus que tu puisses avoir quoi que ce soit dans ta vie. C'est lui qui a la base de ton problème. Hey! On a besoin de vrais hommes de Dieu comme ça. Des hommes de Dieu qui sont capables de voir le problème de la vie des gens. De la vie des gens. On a besoin. On en a besoin ou pas? Laissez un like pour nous dire clairement combien de fois vous en avez besoin. Dieu va susciter des vrais hommes de Dieu qui vont venir. Et vous priez aussi. Ça va vous aider. Faites attention. Be careful. Attention à votre vie. Attention à là où vous mettez les pieds. À qui vous choisissez comme entourage, vos amis. Attention. Et cet homme de Dieu va dire, ok, nous allons entrer en 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne et prière. Et cet homme-là, vous allez voir, quelque chose va se passer. Vous allez entendre des nouvelles. Et cet homme a dit, ah, franchement, moi je vais redevenir comme avant. Et il est rentré en sacrifice. C'est quoi le sacrifice? 3 jours de jeûne. Parce qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il faut faire 3 jours de jeûne pour pouvoir débloquer cette situation. En plus de cela, il faut ajouter à cela quoi? La prière. L'homme de Dieu priait avec eux, les soutenait avec eux. Le troisième jour, dès que c'est fini net et qu'ils s'apprêtaient à manger leur repas net, leur oncle apparut ici. Il apparut chez eux. Oh! Qu'est-ce que tu fais ici? Dieu merci, cet homme de Dieu était là. Le combat spirituel a commencé parce que quand ils se sont mis à prier là, quand ils se sont mis en moment de jeûne là,
Dieu a envoyé un ange là-bas pour prendre l'argent là du canari. Ça veut dire que si l'argent là n'est pas là-bas, si l'argent là s'est trouvé dans ce canari, celui qui avait mis cet argent là dans le canari là, autrement dit son oncle là, lui il va mourir parce que dans le monde des ténèbres là, c'est comme ça. Si tu as mis en prison quelqu'un et que la personne réussit à se sortir grâce à Dieu, toi tu seras mis à sa place en prison là-bas où on risque de te tuer. Et c'est le combat qui était là. Ça veut dire, là, dans le combat qui était ici, là, soit c'est l'oncle qui meurt suite à cette prière de combat, soit c'est le jeune et les hommes de Dieu là qui meurent, ou l'homme de Dieu qui meurt, avec, en plus de la femme. Et le combat a commencé. Qui va mourir? Dieu est fort, Dieu est trop fort. Ça, c'est un petit problème. Feu au nom de Jésus-Christ. Quand vous priez là, ouvrez la bouche et puis criez à Jésus-Christ et invoquez le feu de Dieu sur tous vos ennemis. Sur tous les sorciers. Dites-vous, les sorciers, les satanistes, eux là, ils ne jouent pas avec nous. Quand ils décident de nous faire du mal, là, ils ne rigolent pas. Ils veulent vous voir souffrir, ils veulent vous voir dans la souffrance, alors il ne faut pas s'amuser avec ça. Invoquez le feu du Seigneur pour consumer toutes ces choses. Ah! Combat! Prière de combat, son oncle, là, il a disparu sur le coup. Dès qu'il est apparu dans le monde des ténèbres, là, il était couché là-bas. Au village, il était aussi couché. Couché même. Il ne peut plus s'élever. Il ne peut plus s'élever. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas dire aux gens de la famille. Quelques temps plus tard, on a appris qu'il est mort. Et c'est là, quand il est mort net, la situation de ce jeune-là, ça a changé. Il est redevenu comme avant. Et même plus qu'avant, parce que maintenant il venait de rencontrer Dieu. Ça veut dire qu'il fallait que son oncle meure dans cette situation pour que lui puisse être délivré. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont assis sur vos problèmes, qui sont assis dans vos situations là. Tant que ces gens-là ne chutent pas, vous n'allez pas évoluer. Et ces gens-là, ce sont les représentants du diable dans la famille. Et vous avez besoin donc de Jésus-Christ dans votre vie pour vous sauver, pour vous garder, pour vous protéger. Maintenant, si tu n'as pas Jésus-Christ dans cette histoire, comment tu vas faire? Toi qui es encore dans les histoires de deux femmes, trois femmes, la vie des débauches là, quel est ton problème? Tu ne sais même pas le danger même qui court après toi. Et tu es dans cette dernière histoire, attention, que ce témoignage là vous aide, nous aide tous à écouter Dieu. Quand on veut aider quelqu'un là, c'est bien. Quand on a pitié des gens là, c'est pas mauvais. Mais il y a des gens qui n'ont pas pitié de nous. Quand vous les aidez, ils vous compliquent la vie. Alors faites attention, demandez à Dieu et priez surtout ce que vous avez avant de donner. À bientôt. Abonnez-vous si vous voulez cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Laissez un like, nous faire savoir combien de fois vous avez été touché. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous voulez. Que ça doit vous étonner. Soyez prêts. Que Jésus vous garde et qu'il vous bénisse. À bientôt.